Bonjour à tous, c'est 8 pour pas changer. Nous revoilà avec votre fidèle acolyte East. Et oui, je sais, je parle de moi à la troisième personne pour ce nouveau numéro du Stadia Break. Votre rendez-vous plaisir afin de croquer toutes les bonnes news de Stadia de la semaine. Cette semaine, l'actualité est bien chargée et ça risque de plaire au plus grand nombre d'entre vous. Allez, on se retrouve après l'intro pour décortiquer tout ça. Et on commence par un rappel au cas où vous auriez manqué la news. Des Free Play Days sont actuellement en cours et c'est Dead by Daylight qui est totalement jouable gratuitement et en illimité jusqu'à lundi. Pour l'occasion, le jeu de base est en promo à 9,99€, de quoi vous faire de belles frayeurs dans ce jeu de survie et d'horreur multijoueur qui vous propose d'incarner des tueurs en série et des survivants célèbres de films notamment. En plus, un nouveau DLC vient d'ajouter le film The Ring à la liste. Vous pouvez incarner le fameux esprit vengeur qui sort de la télévision, mais surtout, attention, ne regardez pas. Allez, trêve de plaisanterie, passons maintenant à ces rumeurs dont vous raffolez tant. Et celle-ci provient de l'ESRB, l'organisme américain d'évaluation des jeux vidéo, qui vient d'enregistrer sur son site un certain Those Who Remain, un jeu d'aventure d'horreur en vue à la première personne sur un fond de thriller psychologique qui vous emmène dans une petite bourgade de Dormont en compagnie d'Edward, un père de famille modèle, ou presque, puisqu'il décide de se rendre dans ce village reculé pour mettre fin à sa liaison. Espérant corriger ses erreurs, Edward va se retrouver plongé dans les ténèbres. Je ne sais pas vous, mais moi après Darkwood, je suis prêt à aller sur cette nouvelle aventure et me faire encore très très peur. On continue avec les rumeurs et parlons de la nouvelle version de l'application Android de Stadia. Vous ne savez peut-être pas, mais certains membres de la communauté s'amusent à fouiller dans le code source de l'application à la recherche d'indices sur de futures fonctionnalités. Et on sait que Google dissémine bien volontiers d'ailleurs ces petits indices un peu partout dans ses mises à jour. Et cette fois, on apprend que Google serait en train d'intégrer une nouvelle façon de jouer, le motion gaming. L'idée serait de pouvoir utiliser le gyroscope de son téléphone pour jouer à un jeu de course par exemple. On apprend aussi que la manette virtuelle, vous savez celle qui est affichée lorsque vous lancez un jeu sur votre smartphone sans avoir connecté de manette physique, aura le droit à une petite refonte graphique. Il serait même question de pouvoir avoir un look différent en fonction des jeux auxquels vous jouez. Enfin, ça reste bien flou pour le moment, mais on découvre aussi que Google travaille sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités liées au streaming sur YouTube. Allez, vous pouvez compter sur nous pour vous tenir au courant, bien sûr, sur ce qu'on pourra savoir par la suite. Quoi de mieux que des rumeurs? Allez, je vous donne un petit indice. Bah bien sûr, des annonces. Et cette semaine, nous avons appris que deux nouveaux éditeurs allaient rejoindre l'aventure Stadia. Tout d'abord, il y a les Suédois de Paradox Interactive, experts en matière de jeux, de rôle et de gestion. Ils débarquent justement sur notre plateforme préférée avec Cities Skylines, la simulation de gestion de ville par excellence. Maintes fois primée et la plus vendue à ce jour, vous allez pouvoir agir sur quasiment tout ce qui fait une ville. Un gameplay complet et précis qui saura sûrement satisfaire un bon nombre d'entre vous. Si vous êtes plutôt fan de party games et de franches rigolades entre potes, alors c'est plutôt du côté de Team 17 qu'il va falloir regarder. L'éditeur mondialement connu pour sa licence Worms fera ses premiers pas sur Stadia avec non pas un mais deux jeux. Le premier sera Overcooked All You Can Eat, la compilation ultime des jeux Overcooked qui vous propose de préparer et servir un maximum de plats dans des centaines de niveaux tout en incarnant plein de personnages différents. C'est jouable en solo ou à plusieurs, en coop ou les uns contre les autres et pour la première fois en ligne et crossplay avec toutes les plateformes. Direction le Royaume Oignon, ça s'annonce bien fun. Le second jeu de la Team 17 ou Team 17 à la française qui arrive sur Stadia et qui est accompagné de clubs de golf, rien que ça, c'est Golf With Your Friends. Découvrez le mini-golf comme jamais vous ne l'avez vu auparavant. De nombreux parcours variés dans des environnements farfelus, des objets qui vous permettent de prendre l'avantage ou de pénaliser vos adversaires, et le tout jouable jusqu'à 12 joueurs. Et en plus, si vous souhaitez faire souffrir les autres, vous pouvez créer votre propre parcours de golf afin de faire pleurer du sang vos adversaires. Bon, maintenant il est temps d'être honnête, on a un problème. Eh oui, le mois de mars commence à être bien rempli en sortie, on vient d'apprendre que Ubisoft allait rajouter une couche, je dirais même une couch, seuls les anglophones comprendront. Je suis vraiment navré, c'est Tignel, il m'a forcé à faire cette blague, alors si vous l'avez pas comprise, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le dire. Mais bref, en tout cas, à partir du 17 mars, on pourra jouer à Trivial Pursuit sur Stadia, en local entre amis ou en ligne avec des adversaires du monde entier. Vous pourrez tester vos connaissances dans la bonne humeur, ça sent le live et les barres de rire, moi je vous dis.
Terminons notre tour de table des news de la semaine avec l'annonce d'un tout nouveau DLC pour Earth Must Die 3 intitulé Tipping the Scales. Ce contenu additionnel ajoute au Tower Defense la nouvelle race des Tuatara ainsi que 5 nouvelles cartes, 2 nouveaux équipements, pièges et autres joyeusetés. Le tout dans un environnement désert peu accueillant après avoir jeté un froid glacial sur les orques avec la précédente mise à jour. Cette fois, ça va être chaud et ça sort le 7 avril prochain. Et nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez tenu bon avec toutes ces news. Ça fait super plaisir de voir une semaine qui soit aussi qualitative au niveau des annonces et des rumeurs également. Donc comme d'habitude, je vais vous embêter, vous le savez toujours, mais ça ne change pas. Un petit like, un commentaire, n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez, ce que vous pensez. Si vous voulez qu'on change des choses, qu'on rajoute des choses, l'espace commentaire est là pour vous. En tout cas, je remercie comme d'habitude Tiniel pour son aide toujours admirable. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, ciao!